Oh, elle est si belle, la plus belle à nos cœurs, de celles qui en sorcellent même les plus beaux parleurs. C'est une étincelle, perdant la noirceur, une vraie rebelle qui ouvre sa demeure à la première rencontre. Timide, on l'observe de loin, mais en quelques secondes, on lui appartient. Ouais, on lui appartient. On lui appartient. Elle accueille tout le monde avec la même chaleur. Du moindre chaleur aux peintres et aux jongleurs, musiciens, troubadours ou bien simples passants. Peu importe où tu viens, on est tous ses enfants. Elle a déjà tant donné sans rien attendre en retour, si ce n'est du respect. Une pointe d'amour. Une pointe d'amour. Bonjour à toutes et à tous. Petite lecture musicale en fait, qui était prévue, où je devais lire le récit que j'ai écrit il y a quelque temps sur les vacances chez mes grands-parents, donc à la campagne. Et en fait, vu l'endroit, on s'est dit qu'on pouvait rajouter quelque chose de plus urbain, on va dire. Donc de faire Rat des villes, Rat des champs, et de célébrer la publication d'un livre qui s'appelle Patara et Bredin. Et donc qui a été exhumé par Monsieur Boilard, ici présent. Un livre donc qui évoque en fait les aventures de deux gabiers, deux marins de la flotte, qui viennent à Brest et puis qui vivent des aventures absolument extraordinaires comme on peut en vivre à Brest d'ailleurs. Et tout ça sur fond de 19e siècle, de marine et de vieux Brest. Voilà. Bon, je commence. Patara et Bredindin, l'un gabier de Grand-Mât, l'autre de Beaupré, à bord du vaisseau Suffren, en rade de Brest, tous deux amis, et se nommant mutuellement mon matelot, ce qui est le plus grand terme d'affection connu sur le gaillard d'avant, viennent d'obtenir une permission de 24 heures qu'ils comptent bien dépasser, car ils ont résolu de courir bon bord jusqu'à ce que les gourdes amassées pendant 2 ans de mer y aient sauté. Patara est un matelot vif, alerte, parlant haut et souvent, toujours prêt à faire un bon coup s'il se présente. Bredindin, plus âgé, frisant les 35 ans et plus grave dans ses folies qu'il exécute avec un sérieux qu'on dirait Léonce des variétés. Bonne et solide nature, ne s'effrayant de quoi que ce soit et s'étonnant fort peu, comme tous les matelots purs sang du reste. Aussitôt débarqué, la première, l'indispensable fonction est d'aller s'embosser dans l'un de ces cabarets de la rue des 700, ainsi nommé sans doute par antiphrase, à cause de la quantité très multiple des saintes qu'on y rencontre. Là, de coup de croc en coup de croc, ils arrivent facilement à un degré d'émotion convenable pour se concerter sur l'emploi de leur journée et surtout ne rien omettre des joies que l'argent peut donner. Ça fait 2 ans qu'ils sont partis en voyage, enfin en mission dans le sud, le Tonkin et tout ça. Donc 2 ans de voyage, ils reviennent, ils ont les poches pleines. Et là, ben, c'est parti pour la piste. Donc on va essayer de le faire avec un petit poil d'accent. Oui. Ivan, Bredindin, mon vieux, qu'est-ce que nous ferions bien pour nous amuser si nous cassons quelque chose? Ah bah, matelot toujours, c'est la même chanson. Change de mouillage, veux-tu? Ah ça va, dérapons, allons nous promener. Je veux bien, faisons les négociants. Terme suprême, du matelot pour exprimer un homme qui n'a rien à faire. En plus, il y a des voix off, quoi, donc... Dis donc, Bredindin, j'ai relevé par là, dans le surroi, une petite corvette bien espalée qui s'appelle Jeanne. Si nous mettions le cap lors des portes avec elle, bras dessus. Convenu, je vais chercher Marie, qui n'est pas trop avarée non plus. Nous irons prendre une biture d'officier qu'on s'en souviendra longtemps. D'abord, il faut les gréer un peu proprement, Patara.
Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, je veux que ma femme batte chapeau. En voilà une idée. T'as raison, des chapeaux avec une plume de marabout, tu sais, les gars. Ici, pour le nana, prend le bras de Patara et me dit d'un air sentencieux. Avec deux plumes tricolores. De plus, je veux qu'elles aient chacune un réticule au bras gauche pour porter notre chic délicatement. Ça y est, Renama, ils sont le grand phoque. Oui, l'hôtesse, arrive ici, des carcasses échouées. Que je te fasse ton décompte. Combien que c'est, trois topettes de fil en quatre? Oh, messieurs, ça se retrouvera, répond l'hôtesse. Dis donc, Renama, comment tu trouves la mère Bistop qui se figure que ce soir nous serons grandes ouïes dans les dents et qu'elle pourra nous déringuer sans se gêner? Sois tranquille, la vieille, nous porterons la voile à bord du chiffrin. Tiens, voilà des piastres. Débouille tes lignes avec ça. En jetant l'argent sur le comptoir, ils partent sans attendre leur compte. Une fois dans la rue, Patara arrête Brodin. Madelot, une idée, je me sens une démangeaison de carrosse. Qu'est-ce que t'en veux? Il paraît que dans notre position, des gens comme toi et moi, nous ne pouvons pas nous promener autrement. Alors c'est arrangé. Va-t'en espalmer nos dames et que ce soit un peu bien. N'oublie pas les plumes. Moi, je vais m'occuper de la voiture. Eh, c'est ça, Patara. T'attendras à la porte de la ville. Oui, mais ils vont pas me laisser en panne 2 heures. Je vais joliment gréer notre avion, tu verras. Et ils se séparent. Bon. Tu me feras tout faire. Bon, alors, quelque chose de peut-être plus intimiste. J'ai passé des vacances quand j'étais enfant dans une ferme chez mes grands-parents, dans un endroit de la côte nord qui s'appelle Tréflaise. Et j'ai vécu vraiment des choses extraordinaires, en fait, on peut le dire comme ça, même si c'était à quelques kilomètres d'ici. Donc j'en ai fait un livre très modeste, hein, un récit tout simplement des vacances chez mémé, si vous voulez. Mais bon, c'est quelque chose que j'avais envie de projeter aussi, parce que peut-être que ça peut aussi, peut-être. Donc, on va parler. Voilà. On y va. Elle coule et s'étire mollement dans un horizon au temps partagé. Une vallée, à peine dessinée, accompagne la rivière de la Flèche vers son inéluctable destin. Une fin où la fabrique d'une eau millénaire s'épuise dans les marécages de la baie de Beauvoir. De rive en rive, les transgressions marines ont sculpté, ici, une géographie unique. Vers le trait de côte, capricieux, s'est entiché de cette plaine littorale fertile qui n'a cessé de couvrir et de découvrir à la faveur des revirements climatiques. Aussi loin que remonte la mémoire des hommes, la mer submergeait régulièrement les terres, au moins jusqu'au pont dit gaulois, à la limite de Tréflèze et de Bruyères. Dans ce paysage de mémoire, mes grands-parents maternels possédaient une ferme sur le versant est de la vallée de la Flèche, à Langrouillou plus précisément. D'origine incertaine, Langrouillou signifierait le lieu des hommes forts, ceux-là qui, frondeurs, refusent toute forme d'autorité coercitive. Ici, on ne s'agenouille que devant Dieu. En fait, mis à part le grand remembrement des années 70, qui a vu l'arasement des talus au nom de la nouvelle et sacro-sainte productivité agricole, le décor n'avait guère changé depuis des siècles. Comme si cette terre refusait d'être approchée, comme si les gens d'ici ont célébré la verticalité enracinée, refusant l'horizontalité des réseaux, des interfaces. On est ici et on meurt dans ce terroir unique, apprivoisé et exploité depuis des générations. C'est la rue Saint-Malo, rue Saint-Malo, rue Saint-Malo.